nous lisons dans le livre du prophète Zacharie. Nous lisons dans Zacharie le chapitre 3. Il n'y a pas longtemps qu'on a partagé cette parole, mais le Seigneur l'a donnée parce qu'il y a un autre angle qu'il veut manifester dans notre vie. Il veut nous faire du bien en ce jour. Zacharie, nous lisons le chapitre 3. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7, au verset 5. On va s'arrêter par là. Zacharie 1 à 5. Nous lisons ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Debout, l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprimande, Satan. Que l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te réveille David de fête. J'ai dit, comme si ta tête est rebondie. Et il mit un ruban pur sur sa tête et il mit le vêtement. L'ange de l'Éternel était là. J'ajoute le verset 6 à 7, si vous permettez. L'ange de l'Éternel fit à Jésus cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu gérera ma nation et tu gagneras mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Nous élevons nos mains vers Dieu, nous allons prier ensemble. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole que tu m'envoies. Aujourd'hui, merci pour ton Esprit Saint que tu m'as donné, que tu as mis en moi. Lui, le meilleur enseignant qui nous enseigne la vérité. Lui, le révélateur des choses cachées. Cher Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi des choses cachées et que ta parole accomplisse son œuvre dans ma vie par le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Salut ton voisin à gauche, à droite, avant de s'asseoir. Dis-lui qu'il a fait un bon choix d'être là. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas très longtemps qu'on a pu partager cette parole sur le vêtement de noces. Le vêtement que notre Dieu veut que nous puissions avoir. Le vêtement dont nous avons besoin pour participer aux noces de l'agneau. Aux noces de l'agneau, aux noces de Jésus. Certes, il y aura les noces de l'agneau. Certes, il y aura la fête, le Seigneur nous invite. Seras-tu parmi les invités? Seras-tu parmi ceux qui sont appelés à participer à cela? Ou sera-t-il comme nous avons vu dans Matthieu au chapitre 22? Of zou je zijn zoals we hebben gezien in Matthäus 22? Mensen die buiten worden geworpen. Parce que tu n'as pas des habits appropriés. Omdat zij niet de juiste kleren hebben. Est-ce que tu vraiment les habits appropriés? Heb jij werkelijk de juiste kleren? As-tu des habits appropriés pour voir le Seigneur? Heb jij de juiste kleren om de Heer te ontmoeten? Participer à la fête de l'agneau? Om mee te doen aan het feest van het lam?
Alléluia. Amen. Dat is wat wij onszelf af moeten vragen. Dag na dag. Chaque jour à la fin de la journée. Elke dag aan het einde van de dag. Je vais aller au lit. Ga ik naar bed. Pendant la journée. Of gedurende de dag. Pose la question. Stel ik mij de vraag. Est-ce que j'ai vraiment des amis appropriés? Heb ik juist de juiste kleren? Au noce de l'agneau. Om mee te doen aan het feest van het lam. Demande à ton voisin, est-ce que tu as des amis appropriés? Stel naast de vraag, heb jij de juiste kleren? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as des amis propres? Heb jij schone kleren? Je moet schone kleren dragen. Om mee te doen aan het feest met de koning. Je vois encore un monsieur qui était le secrétaire du Parti Socialiste ici. Ik zie nog een man die ergens op baas was. Avant qu'il puisse monter au pouvoir, qu'il puisse prendre le pouvoir. Voordat hij aan de macht kwam. Il ne mettait jamais la cravate. Ah, die droeg hij nooit als stropdas. Jamais ce ministre, il était devenu ministre après les médias. Il s'appelle le ministre Bos. Hij was minister Bos, toen was hij zijn naam. Et lorsqu'il a été nommé ministre, toen hij minister werd genoemd, pour aller voir la reine. Om de koningin te zien. Ce temps-là, on avait la reine avant toen de tijd hadden we nog een koningin. Le roi, il est monté au trône il y a que deux ans. De koning is aan de troon 2 jaar geleden. Et le jour où il voulait se présenter devant la reine. Toen hij zich moest presenteren voor de koningin. Droeg hij een stropdas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le jour où il voulait être avec la reine. De dag dat hij de koningin moest zien. Et il a mis les habits appropriés. Had hij de juiste kleren. Parce que maintenant, il devrait être à côté de la reine. Want nu moest hij de koningin tegemoet. Hij moest de trouw zijn aan de koningin. En hij moest aan de koningin. Zo moest hij de juiste kleren dragen. Heb jij de juiste kleren? Als je de Heer wilt ontmoeten. Als jij de juiste kleren hebt. Je moet de heerlijkheid van de Heer leven. Als jij de juiste kleren hebt. Zullen de demonen zelf vluchten? Broeders en zusters. Op een gegeven moment ga je beginnen te bidden. Zonder dat je mensen raakt, zullen mensen vallen. Ben jij het of is het iemand anders? Want je hebt de juiste kleren. Amen. Stel je naast de vraag. Heb jij de juiste kleren? Halleluja. Amen. 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 Geliefde. Le Seigneur, de Heer, ouvre les yeux à Zacharie, le prophète. Open Zacharias de ogen. Zacharie c'est parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Zacharia was een van de ministers van het Oude Testament. Qui parle de ce qu'on appelle en théologie l'eschatologie. Die praat over de eschatologie. Je n'aime pas ces termes très compliqués. Ik hou niet van zulke ingewikkelde termen. Mais je connais ces choses. Maar ik ken deze dingen. Je connais, mais j'essaie de pouvoir être simple. Maar ik probeer toch simpel te zijn. On appelle cela l'eschatologie. Ze noemen het de eschatologie. C'est le terme qui parle de temps à venir. Het spreekt over de toekomst. On trouve dans l'Apocalypse. We vinden in Openbaring. Les choses qui vont arriver après. Dingen die later zullen komen. Et le prophète Zacharie. En profeet Zacharia. Dans son livre, nous voyons beaucoup de parallèles avec Daniel et aussi avec le livre d'Apocalypse. We zien veel situaties met Daniel ook in boeken van Openbaringen. Des choses qui doivent arriver. Dingen die nog moeten gebeuren. Dans les gens qui a appelé. In de tempel, zelfs in de mensen die de Heer geroepen heeft. À cette période que les enfants les ramenaient de Babylone. In die periode toen mensen uit Babylon kwamen. Zacharie était celui qui avait la responsabilité spirituelle de peuple. Zacharia had de spirituele verantwoordelijkheid over het volk. L'autorité politique était gouvernée par Zorobabel. En een politieke gezag was bedekt door deze man. C'est celui qui a ramené les enfants d'Israël de la captivité de Babylone. Hij bracht de kinderen van Israël uit de snavernij. Richting Jeruzalem. La politique par Zorobabel. Et le spirituel par Zacharie. Het spirituele gedeelte was bij Zacharie. Et les deux travaillaient ensemble. Die twee werkten samen. Pour que le peuple de Dieu puisse bien vivre. Zodat het volk goed kon. Toen de tijd was er een hoge priester. Zo'n hoge priester. Je vais encore les reprendre. Ik zal het. De enige persoon. Avant Dieu. Om die de Heer zag. Dans la présence de Dieu. Was de enige die de aanwezigheid van God kreeg. De enige persoon. Ook niet elke dag de Heer zien. Quel
privilège que nous avons, frères et sœurs. Quel privilège toi et moi. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu chaque jour. Chaque moment. Door de office van de Heer Jezus. Deze aanwezigheid moet die hoge persoon. Die naar beneden. In de heilige plekken. Ze hadden van toe. Die man. Die boer wordt vergeven. Waar één ging. On avait un fil attaché à son pied. Bonden zij een koord aan zijn voeten. Et il avait à sa ceinture de clochette. En om zijn riem had hij ook. Il entrait en cet endroit-là. Hij ging naar de priester. Et les sacrificateurs qui restaient dans le lieu saint. En de priesters die in de hoofd. Dirigé divisé en trois parties. Het was gedeeld in twee stukken. Le lieu très saint. De heilige plek. Le lieu saint. De hele, de hoogheilige, de heilige. De erg heilige plek was daar waar de heren hadden. Het was daar waar de priesters waren, de voorgangers. En toen de buitenkant. Het was daar waar iedereen hun offers konden brengen. Eén persoon in de hele hoge plek. Toen de hoge priester daar naar binnen ging. Had hij een koord om zijn voeten gebonden. En hij had ook een band om zijn voeten. En hij had een bel daaraan. Elke keer moest hij rinkelen om te weten dat hij leven was. Hij moest rinkelen. Voordat hij de offer ging brengen. Hij presenteerde het bloed van de vergeving. Het bloed van de offers. Voor hemzelf. Voor zijn vergeving. En de vergeving van het volk. Als hij binnenstierf. Omdat hij niet in orde was met de Heer. Kon niemand naar binnen gaan om hem te pakken. Aan de hand van de touw konden ze eraan trekken. Niemand kon daar naar binnen. Geliefde. Het was de verantwoordelijke in Jeruzalem. Zelfs vandaag. Die priesters daar werken niet. Ze werken niet. Ze worden betaald door de regering daar. Ze hebben salaris. Ze hebben grote families, 15, 12 kinderen. Grote familie, grote gezinnen. Hele grote gezinnen. Als je naar Jeruzalem gaat. Dan ga je zien in sommige dorpen. Een jonge man met een lange baard. En een jonge dame van 21 jaar. Met 5, 6 kinderen. Als je echt denkt van wow. Er is een plek. Het is een bemoediging voor de regering daar. Ze zeiden, jullie buren zijn in de meerderheid, dus dan moeten jullie vermenigvuldigen. De vijand zijn in de meerderheid. Dus de regering bemoedigt die mensen om vele kinderen te krijgen. Om vele kinderen te maken. Zo denk ik van, er zijn echt te veel kinderen. Je ziet gewoon 3, 4, 5. Dat je gewoon moet denken van, dan heb je geen tijd om te rusten. Maar ja, het is hun leven, ik mag niet oordelen. Die hoge priester, die man, die daar was. En je opende de ogen van Zacharias. Om te zien hoe die man werkelijk was. Hij zag dat de duivel als in de rechterhand was. Ik wil vandaag praten. Dat de Heer alleen aan onze rechterhand staat. Aan de rechterkant van Jozue stond de duivel daar. Aan de rechterhand. Hij was hem aan het beschuldigen. Hij wees hem de vinger toe. Waarom beschuldigde hij? Want Jozua droeg vuile kleren. Hij vroeg vuile kleren.
Hoge priesters moesten ze schone kleren dragen. Schone kleren. Ook hun. We zetten geen make-up, dat soort dingen. We veranderen niet onze huidskleur. We moeten schoon zijn. Amen. Alleluia. Amen. Amen. We moeten toch schoon eruit zien. Het is de duivel die van vuilheid houdt. Zelfs thuis, geliefden. Je keuken moet schoon zijn. Je bed moet schoon zijn. Onze kamers moeten schoon eruit zien. We moeten leren onze kinderen om schoon te zijn. Om goed hun tanden te dragen. 'S ochtends na het eten. Voordat je gaat slapen, tanden poetsen. Dan gaan ze geen probleem hebben met tanden zoals vele Hollanders. Dat je dan beugels moet gaan dragen. Beugels dragen. Ik pak mijn moedertaal. Een stuk van het vlees. De hele dag zit je daar met tandenstokers in je tanden. Halleluja. Amen. En dan ga je zo poetsen. Nous avons des dents propres. La plupart d'entre nous avons des mangeoires. Een groot deel van Afrikanen die hebben gewoon een goed gebit. Demande ces trois voisins là. Vraag aan die drie buren. Voisins. Die buren. Vraag hun. S'ils ont la mangeoire pleine, c'est peut-être 40%. Misschien 40% van hun heeft een goed gebit. Pourquoi? Parce qu'ils prennent trop de chocolat. Waarom? Ze eten veel chocola. Et puis à la fin, les enfants dorment avec ça, ça pourrit. En eindstand. En ze slapen daarmee. Je hebt verrot je tanden. Leer je kinderen om hun tanden te poetsen. Parents. Ouder. Apprenez à nos enfants travailler. Leer je kinderen te werken. Il a 12 ans, il doit faire sa chambre. Je moet je kamer schoon. Et tu dois faire fier, il doit faire son lit. Je moet je kamer schoon. Il doit faire son lit, il doit savoir faire son lit. Je moet je bed opmaken. Il doit savoir arranger ses habits. Je moet weten les hoe je bed opmaakt. Là. Là. In de wasmand. Ouder, het is onze verantwoordelijkheid. Niet leren op school. Amen. Iemand is 14 jaar, leer diegene te gaan koken. Ik praat over jongens, hè. Meisjes op de 14 jaar. Ze zorgen al voor anderen. Amen. Sommige mensen, 15, 17 jaar, ze kunnen niet. Ze zeggen, oh, moeders kindje, hey, je moet gaan werken. Nee. Amen. Alleluia. Amen. Als je zo iemand bent thuis, moet je niet meer, het moet nu stoppen. Si tu es paresseuse. Als je iemand het niet doet, we moeten niet zulke meisjes hebben thuis. Ik zeg tegen de jongens om te werken, waarom zeg je dat? Op mijn 21ste was ik alleen. Ik had nooit gekookt, voedingsmiddel, nooit. Ik weet nog, toen ik terugkwam van school, ik had honger. Maar ik moest eten. Wat moest ik dan eten? Wat moet ik eten? Je moet je kinderen leren koken. Griswil maken. Préparez les bites et coutures. Gewoon echt groenten, Afrikaanse groenten. Ik heb geleerd. Zo ben ik opgegroeid. Alles was voor mij gedaan.
door onze vader, mensen thuis die dingen deden. Je moet nooit naar de keuken gaan. De keuken is voor meisjes. Wat een slechte service. Amen. Op het 21ste. Ik dacht, wat moet ik? Eten. Gisteren heb ik brood met sardientjes gegeten. Vandaag opnieuw hetzelfde. Ik heb een carbonade. Maar hoe moet ik het doen? Hoe moet ik dit koken? Ik ging nog denken. Ik weet nog, ze zetten water in de pan. En ze wachten een beetje dat het gaat koken. En dan gaan ze zo draaien. En dan doen ze een maïs. Ik begon, toen ik probeerde. Ik dacht, oh my gosh, ik kan het niet doen. Ik kon niet eens eten, ik heb alles weggegooid. Die dag, ik heb mezelf vervloekt. Amen. Ik ben hier niet om jullie te laten lachen, jij hè? Alléluia. Ik wil dat ik de indruk dat je thuis niet kookt. Cette semaine Corvée, c'est elle qui va travailler pour tout le monde. Deze week zij moet gaan koken voor iedereen. Amen. Ik heb mezelf vervloekt. Ik dacht, oh, ik was zo nalat. Ik kan geen schrismeel koken. Maar goed. Ik heb mezelf vervloekt. De dag daarna dacht ik, ik heb mijn tijd genomen. Ik keek gewoon met geduld. Ik dacht, oh, het is nu een bom. Ik dacht, hey. Alleluia. Amen. Vandaag, ik ben de beste kok. Chefkok. Amen. Ik ben de beste kok thuis. Ik kan al die dingen doen. Ik wil dat onze kinderen niet zo nalatig zijn. Alleluia. Dit is de evangelie om dingen te spreken. We moeten anderen een voorbeeld geven. Zodat we onze leven niet zomaar bewust kunnen zitten. Dat ze niet zomaar nalatig zijn. Maar dat we toch netjes en schoon zijn. Halleluja. Wat is dat? De conscience dit qu'on ne peut pas être propre, mais non. Ja, de conscience betekent niet dat we niet netjes eruit mogen zien. Halleluja. Amen. 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 Wees netjes, wees schoon. Amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloria a God. Gloire à Jésus. Gloria a Jesus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé. Nous revenons dans notre parole que le Seigneur nous donne. We keren terug in het woord dat de Heer ons geeft. Il y avait Satan et moi à la droite de Josué qui l'accusait. Er was de duivel aan de rechterhand van Jezus. Parce que Josué avait des habits sales. Want Jozua had vervuilde kleding. Je veux parler dans les détails là-dessus aujourd'hui. Ik wil vandaag ook daar niet op. Et je sais que le Saint-Esprit va encore te parler. Ik weet dat de Heilige Geest hier nog gaat praten. As-tu des habits propres ou des habits sales? Heb jij vuile of schone kleren? Les habits sales vont empêcher Dieu de pouvoir te toucher. Vanwege de vuile kleren kan de Heer jou niet raken. Il ne s'agit pas des habits normales qu'on fait dans le monde. Mais il s'agit de notre comportement, de notre façon d'être. Maar het gaat om ons gedrag, onze manier van zijn. Et ta façon d'être. Hoe is jouw manier van zijn? Est-ce que Satan peut t'accuser aujourd'hui? Kan de duivel jou beschuldigen? Peut t'accuser, montrer du doigt? Kan hij jou de vinger toewijzen? Te montrer du doigt? Kan hij jou de vinger Parce toewijzen? Parce que ta vie est tachetée d'un péché quelconque. Omdat je leven Omdat jij enkele zondes hebt in je leven. C'est ce que nous devons veiller jour après jour. Dat is waarop wij moeten waken dag en nacht. Je veux avoir un habit pur. Ik wil pure kleding hebben. Je ne veux pas avoir une occasion quelconque de donner à Satan. Ik wil er daarvoor geen open deur laten. Zodat hij mij beschuldigt. Zodat hij weerhoudt dat jij mij raakt.
geliefden. Ma prière aujourd'hui, ce matin. Mijn gebed vandaag. Cet après-midi. Deze ochtend op deze middag. Waar vous êtes dans le monde entier. Overal waar jij je bevindt. Et que notre Dieu. Het is dat onze God. Soit à notre droite. Aan onze rechterhand. Là où Satan peut se trouver. Daar waar de duivel ons bevindt. Là où les démons peuvent se retrouver. Daar waar de duivel zich bevindt. Là où peut-être la coutume et la malédiction est là. Daar waar de cultuur, waar de bedoeling is aan de rechterhand. Lorsque je bouge à ma droite. Wanneer ik beweeg aan de rechterhand. Dan is het dat je daar. Wanneer je verraad gaat, dan is er een blokkage aan mijn rechterhand. Dat is iets wat me weerhoudt om verder te gaan. Zodat de Heer aan mijn rechterzijde kan staan. Amen. Amen. De Heere God moet degene zijn die aan je rechterhand staat. C'est celui qui est à ma droite. Hij die aan de rechterzijde staat. Il y a certains qui ont mis même fait même une doctrine. Sommige mensen die hebben zo'n doctrine gedaan. Ik weet nog. De serviteur de Dieu. Zogenaamde dienaar van de Heere. Lui, tu peux pas te mettre à sa droite. Je kan niet aan zijn rechterzijde staan. Want daar, het is de plek waar de Heer is. Dus je kan niet naast me aan mijn rechterhand staan. Als dat hetgeen is wat God hem heeft gezegd. Want wat ik weet. God kan voor, achter, links, rechts van staan, boven, beneden. En het maakt mij niet uit. Hij vervult de hemel en aarde. Het is het belangrijkste. Dat Jezus met jou is. Dat Jezus in jou is. En dat Hij in orde is met de Heer. Mijn vriend zegt het, geliefde. Aan de rechterzijde van Joshua. Ik wil dat de Heer aan onze rechterhand staat. Maar het was Satan die daar stond. Maar jij en ik. Nous avons besoin que l'Éternel est notre Dieu. Wij hebben alleen maar de Heer. Soit à notre droite. Dat Hij aan onze rechterzijde staat. Een andere reden. Achterin. Maak je naast wakker. Wakker die aan het slapen is. Ik ga jullie een goede ding vertellen. Ik ga jullie goede dingen vertellen. Je moet falen in je leven. Tu fais les examens, tu échoues. Je gaat de kansen doen, maar je faalt. Natuurlijk, je faalt. Dans les projets, tu échoues. In al je projecten, je faalt. Pourquoi? Parce qu'à ta droite, Dieu n'est pas là. Want God staat niet aan je rechterzijde. Parce qu'à ta droite, l'Éternel n'est pas là. De Heer is niet aan je rechterzijde. Aan de droite, il y a quelque chose qui t'acquitte. Aan je rechterzijde is iemand die je beschuldigt. Er is iets die je blokkeert. C'est pour cela nous avons besoin. En daarom hebben wij nodig. Dat de Heer van je in Israël, onze God, soit à notre droite. Dat Hij aan onze rechterzijde staat. La première raison. De eerste reden. Psalm 16, verset 8. Psalm 16, 8. Psalm 16, verset 8. Psalm 16, 8. Noteer. Dieu à ma droite. God aan mijn zijde. Je ne chancelle pas. En ik zal quand l'Éternel est à ma droite. Wanneer de Heer aan mijn zijde staat. Là je suis. Daar ben ik. Je ne tremble, je ne bouge pas. Ik wankel niet. Parce qu'il me donne la protection. Want Hij geeft mij de bescherming. Alleluia. Amen. Dieu à ma droite. God aan mijn rechterhand. Je ne chancelle pas. Ik je ne marche pas comme si je ne suis pas inquiet. Ik ben niet je ne suis pas instable. Ik ben niet onstabiel. Want aan mijn rechterzijde. Ik zal stabiel zijn in het leven. Sommige mensen zijn onstabiel in hun leven. Zelfs in de gemeente. Ze moeten dingen zeggen. Dingen gaan niet goed. Dan doen ze gelijk. Sommige dagen zeggen ze van. Ze gaan uit Adassa om ergens anders te gaan. En ook daar gaan ze weg. Ze zijn onstabiel in het leven. Omdat de Heer niet aan uw rechterzijde staat. Amen. Ze rekenen op iemand. Op ze wachten op iemand. Wanneer de man dan zou zijn. Ja, mama persoon, je is niet wat de Heer is. Mama Solange is goed, want de bouwman is daar. Nee, geliefde. Of mijn vader is er niet. Ik weet dat de Heer aan mijn rechterzijde staat. Ik ben stabiel in mijn christelijke leven. Ik verhang niet af van anderen. Ik verhang niet af van de Heer. Aan mijn rechterzijde ga ik niet wankelen. Amen. Amen. Als de Heer aan je rechterzijde staat, zal je niet zo wankelen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé. Geliefde. Toujours dans le chapitre 16 de Psaume.
hoofdstuk 16 de psalm. Le verset 11. Vers 11. Nous lisons ceci. We lezen het volgende. Hier aan mijn droite. Hier aan mijn rechter. Il est le délice éternel. Hij is hier. Il est ce que je désire de mieux. Hij is il est la joie éternelle. Hij is de vreugde. Tu as besoin d'une joie éternelle. Je hebt een eeuwige vreugde. Cherche que l'Éternel soit à ta droite. Zoek dat de Heer aan je rechterzijde staat. Que Dieu soit à tes côtés. Dat de Heer aan je zijde staat. Il va te donner la joie éternelle. Hij gaat je de eeuwige leven. Psalm chapitre 17, verset 3. Psalm 17. Le verset 3. Psalm 17, 3. Je vais lire ce verset parce que je l'aime bien. Ik ga even dit lezen omdat ik er van hou. Psalm 17, le verset 3. Le psalmiste, tu me cites. Si tu visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne verras rien. Excusez. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Je crois qu'il y a une erreur là. Attendez. À ma droite. Aan mijn rechterhand. Voilà. Verset 13. Psalm 17, vers 13. Marche à sa renverse, délivre-moi du méchant par ta claire. À ma droite, à notre droite, Dieu nous délivre. God bevrijdt ons. Dieu nous accorde la délivrance dont nous avons besoin. God geeft ons wat we nodig hebben. Le verset 7, nous lisons ceci. Psalm chapitre 7, le verset 10. Psalm chapitre 17, verset 7. Psalm 17, vers 7. Seigneur, ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent à hériter, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Amen. Notre Dieu nous délivre. Onze Heere, die bevrijdt ons. Il est à notre droite. Als hij ons aan zijn rechter staat. Il est notre refuge. Hij is onze schuilplaats. In hem zullen wij onze schuilplaats vinden. Hij is degene die ons bevrijdt van onze vijanden. Psalm chapitre 18, verset 36. Psalm 18:36. Il est le Dieu qui nous soutient. Hij is de Heer die ons steunt. Si il est à notre droite. Als hij onze rechter staat. Il nous soutient dans les moments difficiles. Hij steunt ons in de moeilijke momenten. Il nous soutient dans les moments de combat. Hij steunt ons in de momenten si van strijd. Si notre Dieu est à notre droite. Als hij onze rechter staat. Psalm chapitre 44. Psalm 44. Le verset 4. Vers 4. Tiens à ma droite. De Heer aan mijn rechter. Il me donne la victoire. Hij geeft mijn overwinning. Toi qui lutte avec les péchés, avec les combats. Jij die vecht met de strijd. Qui met de zondes. Wie staat aan je rechterzijde? Wie staat aan je rechterzijde? Misschien is het de duivel die jou beschuldigt. Of is het iemand anders? Wie staat aan je rechter? Is het de duivel? Of is het misschien je familie? Die aan je rechterzijde staat. Waardoor jullie allemaal aan deze zijde staan. Ik weet nog, geliefde. Une famille qui était nos voisins quand on était quand j'étais en Afrique. Een familie die onze buren waren in Afrika. Ils avaient une année et nous le faisons aussi chez eux, c'était plus marqué. Ze hadden zo'n oom die waar we altijd naartoe gingen. Une fois là, tous les enfants étaient assis par terre. Eén keer waren alle kinderen die zaten op de grond. Vêtus en blanc. We waren allemaal in het wit gekleed. Et le vieux de la tribu venait à leur droite. En de oudste van de stam die kwam aan uw rechterzijde. Dire que je bénis tous les enfants. En die zei ik zeg alle kinderen. Mais quelle bénédiction. Maar wat voor een zegening. Fallait voir quelle bénédiction. Je moest zien wat voor een zegening het was. Pour que les ancêtres. Hij liep de alle oudste aan. On tuait les coqs, les poules, les poules, etc. Ze deden allemaal van die rare spelletjes. On faisait des cérémonies. Ze deden van die ceremonies. En, le monsieur se tenait à la droite. En aan het einde stond hij aan de rechterzijde. En hij zei, ik bescherm jullie alle. Broeders en zusters. Avec une famille pareille. Met zo'n soort familie. Ce que je connais la plupart beaucoup sont morts très jeunes dans cette famille. Vele mensen in die familie zijn jong gestorven. Et ceux qui sont vivants aujourd'hui. En de mensen die vandaag leven. Sont déjà très malheureux. Zijn ongelukkige mensen. Et pourtant, quand on était petit, on est bien. Terwijl toen we jong waren, zeiden we altijd van, wow, hun leven echt goed. Van, oh, die man is gekomen, zijn allemaal beschermd. Geliefden. De Heer moet aan onze rechterhanden staan. Hij is degene die ons de overwinning geeft. Wanneer we aangevallen worden. Vanaf van het noord of zuiden komt. Of het nou is vast overdag. Want de Heer aan mijn rechterzijde. Hij geeft mij de overwinning. Psalm 48,
Le verset 4. Nous lisons ceci, bien-aimés. L'Éternel à ma droite. Celui qui va me justifier. Degene die mij rechtvaardigt. Celui qui va me justifier. Degene die mij rechtvaardigt. Psalm 48, permettez le verset 4. Psalm 48, 4. Le verset 4, chapitre 48. 48, vers 4. Dieu est dans ce palais. De Heer in de paleis. Est connu pour une haute retraite. Lui, dans son palais, il est notre haute retraite. Cette haute retraite qui nous justifie. Il est cette haute retraite qui s'élève pour nous protéger contre tous ceux qui peuvent nous atteindre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il est notre haute retraite. Nous pouvons être protégés par lui. Beschermd worden door hem. Bien-aimé. Geliefde. Qui est à ta droite? Wie staat aan je rechterzijde? Qui est à ta droite? Wie staat aan je rechterzijde? Mais allez avec vous le psaume chapitre 109. Ik wil met jullie lezen in psalm 109. J'invite à ouvrir vraiment vos bibles. Ik nodig ons allen uit om te lezen in 100, psalm 109. Psalm 109. Le verset 30 à 31. Vers 30 en 31. On peut commencer le verset 29. We kunnen beginnen bij vers 29. Psalm 109, le verset 29 jusqu'au verset 31. Psalm 109, vers 29 tot 31. Le psalmiste nous lisons ceci. Le psalmiste zegt het volgende. Que mes adversaires revêtent l'ignominie. Qu'ils se couvrent de leur honte. Comme un manteau. Je louerai de ma bouche hautement le terrain. Vele zullen het horen. Je célébrerai au milieu de la multitude. Want God helpt de verset 31. Car ils se tiennent à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui les condamnent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que mes adversaires puissent avoir la haine contre moi. Dat de tegenstanders met zwaar kunnen faire de mauvais projets contre moi. Zij die slechte projecten op de Heer die mijn God is. Il me tient à, à ma droite. Hij staat aan mijn rechterzijde. Pour me délivrer de ceux qui me condamnent. Om mij te beveiligen van degene die mij condamnent. Ik weet niet degene je die mij condamnent. Ik weet niet de mensen me die jou condamnent. Maar God aan je rechterzijde. Hij staat aan je rechterzijde. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Quelque soit ceux qui peuvent te condamner. De mensen die ook zullen condamnation. Wat voor projecten zij ook hebben. God aan je rechterzijde. God aan je rechterzijde. Degene die opstaat om jou te rechtvaardigen. Alleluia. Amen. Om jou te rechtvaardigen. Om jou te rechtvaardigen. Om jou te bevrijden. Van degene die jou stussen. Hij is onze God. Hij wil aan je rechterzijde staan. Alleluia. Amen. Esaïe chapitre 41 verset 13. Esaïe 41, 13. Le Seigneur dit ceci à Israël. De Heer zegt het volgende aan Israël. À partir du verset 10, si vous avez la grâce de lire. Vanaf vers 10, als jullie de genade hebben. Il leur dit, ne crains rien. Wees niet bang. Please, je voudrais lire ça. Ik wil dit lezen. Noteer Esaïe 41. Esaïe 41. Nous lisons à partir du verset 10. Vanaf vers 10. Esaïe chapitre 41. Esaïe vers 41. Du verset 10 jusqu'au verset 13. Vers 10 tot met 13. Le Seigneur nous dit ceci. De Heer zegt het volgende. Ne crains rien car je suis avec toi. Wees niet bang want ik ben met u. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Want ik ben uw God. Je te fortifie et je te renforce. Ik zal u overeind houden. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confrontés. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront remis à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront remis à rien. Remis en ayant. Ce qui te faisait la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui
qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est à ta droite te dit ceci. Toi qui as peur. Jij die bang bent. Pourquoi tu as peur? Waarom ben je bang? Wie staat aan mijn rechterzijde? Wat God aan mijn rechterzijde staat. Je hebt geen reden om bang te zijn. Wees niet bang. Je suis le Dieu de ton secours. Ik ben de Heere God van je redding. Ton secours. Ik kom tot je redding. Je te soutiens parmi vous. Ik ben uw God die sterkt. Zie je van je rechterzijde. Hij is God. Qui fortifie notre droite. Die onze rechterzijde versterkt. C'est celui qui a la première place. Hij degene die op de eerste plaats komt. Qui doit prendre cette place. Hij die die plaats verdient. Que l'ennemi occupe. Die de vijand heeft. Que Satan occupe. Die de duivel heeft. À côté de Josué. Die de duivel in beslag heeft genomen naast Joshua. Vanwege de vuile kleding van Joshua. Aan de rechterkant van hem was Satan. Maar de Heer wil onze rechterzijde in beslag nemen. Hij wil aan onze rechterhanden staan. Om onze schaamte weg te halen. Hij wil aan onze rechterzijde staan. Hij wil aan onze rechterzijde staan. Pour enlever la honte. Om de schaamte weg te halen. Geliefde. Qui peut imaginer se mettre avec les habits sales? Je kan je voorstellen met je vuile kleding. Des habits sales. Vuile kleding. Imaginez quelqu'un qui a des habits sales. Stel je voor iemand met vuile kleding. Qui entre dans cet endroit ou ailleurs. Die bijvoorbeeld hier naar binnen komt of buiten. Vous allez le regarder un peu bizarre. Je gaat hem echt raar aankijken. Bizarre. Van hij is raar. De même chose aussi. Je hebt vuile kleding. En cela permet. À l'ennemi de ne pas te. Et l'ennemi de pouvoir avoir l'autorité sur toi. Il s'attend de faire la vie. Et de pouvoir occuper ta droite. Il veut au bas la droite. Quand qui. Iemand bouwt op hem en rekenen. Mijn rechterhand. Ze zeggen vaak mijn rechterhand. Hij is mijn rechterhand. Het wil zeggen. Ik kan op hem rekenen. Het wil zeggen. Hij is degene die me helpt. Hij is degene die me tot de rekening komt. Wanneer ik in een moeilijkheid zit. Wanneer ik in mijn zwakte zit. Wanneer ik in een strijd zit. Onze God. Il est celui qui veut être à notre droite. Is degene die aan onze rechterzijde wil staan. Je vais nous dire le chapitre 22 de Matthieu. Que nous venons de lire. Matthieu 22. Matthäus 22. Le verset 44. Vers 44. La Bible nous dit. Bijbel zegt. Le Seigneur. De Heere. A fait de mes ennemis. Et van mijn vijanden. À ma droite, il fera de mes ennemis. Als we daar aan het verpaten. Ik moet zeggen, geliefde. Ennemis. Goed. Ceux qui te font la guerre. Die vijanden strijden. Je ne sais pas de quel coin ils viennent. Ik weet niet uit welke hoek zij komen. De quelle nation ils viennent. Uit welke natie zij komen. Ou de quelle famille ils sont. Of uit welke familie zij zijn. Même s'ils sont de ta propre famille. Ook zijn ze uit jouw familie. Je le fera te marchepied. De Heere zal van hun. Le marchepied à d'autres mots, c'est des escaliers. Het wil zeggen in andere termen, trappen. Over je vijanden zou je hoger op kunnen komen. De Heer aan jouw rechterzijde. Van jouw vijanden zou hij een stoot maken, geliefde. Wie staat aan jouw rechterzijde, geliefde? Wie staat aan je rechterzijde? Je vais citer ces. Quelques raisons pour lesquelles, avant que nous puissions prier. Ik wil deze redenen opnoemen voordat wij gaan bidden. Les raisons, le bienfait. Redenen. De la présence de Dieu à notre droite. Van de aanwezigheid van de Heer aan onze zijde. La présence de notre Dieu comme bras droit. De aanwezigheid van onze Heer als comme secours. Als redding. Notez. Psalm 16, verset 8. Psalm 16, 8. Je suis fortifié, je ne chancelle pas, je ne tremble pas. Ik beef niet. Psalm 16, le verset 11. Psalm 16, 11.
Qui est à ma droite, j'ai le meilleur que le monde peut me donner. Psaume chapitre 17, le verset 7. Tu es à ma droite, il me délivre. Psaume chapitre 18, le verset 36. Tu es à ma droite, il me soutient. Hij steunt mij. Dans les combats, in de strijden, dans les temps difficiles, in de moeilijke momenten. In de momenten van de verwijtheid. Il me soutient. Hij steunt mij. Psalm chapitre 44, verset 4. Hij maakt overwinning. Le verset hij bevrijdt mij van alles wat me oordeelt. Tous ceux qui me condamnaient à la mort. Van alles wat me oordeelt tot de dood. Tous ceux qui me condamnaient à la souffrance. Alles wat me oordeelt tot de dood. Tous ceux qui me condamnaient à la maladie. Alles wat me oordeelt tot de dood. Tous ceux qui me condamnaient à l'humiliation. En alles wat me veroordeelt tot de dood. Quand l'Éternel est à ma droite. Want de Heer is aan mijn rechter. Il me justifie. Hij vervaardigt mij. Mais je ne sais pas combien de gens te condamnent. Ik weet niet hoeveel mensen jou veroordelen. Combien de gens ne cherchent que ta mort. Hoeveel mensen wachten op jouw dood. Ta disparition. Jouw verdwijning. L'Éternel à ta droite. Aan jouw rechterzijde. Celui qui va te justifier. Hij degene die je zal rechtvaardigen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Esaïe 41. Créateur, c'est celui qui nous fait, donne sa force, cours, qui nous encourage, qui me dit ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, je te fortifie par ma droite triomphante, l'éternel à notre droit. Hij aan onze rechterzijde. C'est celui qui nous donne l'autorité sur nos ennemis. Die het gezag heeft over onze vijanden. Il fait nos mal. Il fait nos bien. Nous pouvons monter plus haut. Wij hoger op kunnen komen. Geliefde broeders en zusters. Qui est à ta droite? Wie staat aan jouw rechterzijde? Qui est debout à ta droite? Aan jouw rechterzijde. C'est l'Éternel Dieu. Is het de Heere God? Voyons. De engel die we zien dat de engel zegt. Et Satan va quitter cet endroit. Hij valt die, cet endroit. De engel van de Heer die heeft die plek in beslag. Il occupe cet endroit la droite de Jésus. Toen hij de rechterzijde van Jozua in beslag nam. Comme ma droite, ta droite. Zoals mijn rechterzijde, jouw rechterzijde. Je mette sur lui un ribandon. En hij had hem een gouden ring gegeven. La marque de distinction. Wat is het verschil zal maken? La marque d'être mis à part pour Dieu. Het is een teken dat hij apart is gezet door de Heer. La marque d'être honoré par Dieu. Het teken dat hij geëerd werd door God. Il est le Dieu qui veut. God die ons veut eren. Quel genre de vêtements tu as? Welk soort kleding heb jij? Jésus avait des vêtements sales. Jozua, die had vuile kleding. Misschien heb je schaamte kleding. Misschien draag je schaamte kleding. La honte, c'est un sentiment, c'est un sentiment. Schaamte is een gevoel van vernedering. D'échec. Van falen. D'être abusé. Om misbruikt te worden. La honte. Schaamte. Si tu as la honte te couvre. Als de schaamte jou bedekt. Même si tu as des gros diplômes. Ook al heb jij grote diploma's. Alleluia. Amen. Ces diplômes ne pourront pas te dire, mais non. Die diploma's kun je niet zeggen. Il a des degrés. Zo van, oh, die ene heeft grote, hoge graden. J'ai vu une fois un officier de l'armée. Ik zag een officier van het leger. Vizier van het leger. Hij had echt van die hoge graden. Hij had echt van die superieure diploma's. Alors, la honte. Maar de schaamte. On enlevait les calons sur ses épaules. Ze haalden al die graden weg uit zijn schouders. La formation militaire qu'il avait reçu en Belgique. De militaire opleiding die hij had gevolgd. Les diplômes qu'il avait. De diploma's die hij bezitte. Ne pouvait pas enlever la honte. Konden de schaamte niet wegdragen. Frères et sœurs. Broeders en zusters. La honte. Schaamte. Même si tu es
Ook al ben je groot wanneer je schaamte jou bezit, dan vergeet je alles wat je was. Schaamte, schaamte, schaamte. Misschien draag je kleding van schaamte. Daardoor kan de Heer misschien niet aan je rechterzijde staan. De innerlijke schaamte. Sommige mensen die hebben geen schaamte, zo in het openbaar. Maar in het geheim is diegene gewoon heeft die schaamte. Sommige mensen die schamen zich voor hun eigen lichaam. Ik weet niet waarom ik dit zeg, maar de Heer wil dat ik dit zeg. Sommige mensen zijn onzeker over hun lichaam. Ik ben zo. Je schaamt je over je lichaam. Het is het beste lichaam dat de Heer je heeft gegeven. Sommige mensen zeggen van, oh, ik moet een neus hebben zoals de voorganger. Het is de beste neus wat je de Heer jou gegeven heeft. Oh, ik moet de lengte hebben van het voorganger. Het is echt gewoon iemand die gewoon... Stel je voor een vrouw zo lang als ik. Dan moet je nog een man zoeken die ook zo lang is als jij. Amen. Op een gegeven moment, ik schaamde me gewoon voor mijn lengte. Ik had vrienden die kort waren. En ik begon nu zo te lopen. Om ook zo kort te zijn als hij. Tot op een gegeven moment dat ik dacht van, hey. Maar God heeft me zo voor de kant gemaakt, ik moet zo blijven. Ik moet zo blijven. En ik heb mezelf sterk. Je moet niet je schaamte voor wat je bent. Oh, ik heb geen diploma. Dat is niet van belang. Met of zonder. Wees trots. Oh, deze mensen die hebben grote huizen. Ik heb geen grote huis. Maak je geen zorgen. Grote huis. Als je zijde staat. Dan ben je groter. Amen. Oh, hij heeft een grote gemeente. I don't care. Het maakt me niet uit. Amen. I don't care. Het maakt me niet uit. I don't care. Ik zeg het in het Nederlands. I don't care. Het maakt me niet uit. Of je grote gemeente. Voor een petite église. Of een kleine gemeente. Aan de grote massa le terrein. Aan de rechterzijde staat de Heer. Amen. Amen. Ce qu'on peut louer aujourd'hui. Wat we vandaag kunnen doen. Demain, ça peut être la poubelle. Het kan morgen een roepenlap in belanden. Il faut que l'éternel soit à ta droite. De Heer moet aan jouw rechterzijde staan. Que le nom de Jésus. De naam van Jezus. Dat je met Jezus in de kruis. Jezus van het kruis. Hij die over alles is. Amen. Wie staat aan je rechterzijde? Geliefde. Ik weet nog een voorganger. On était parti dans une des manifestations engagées de son église. We waren naar de reunie van zijn gemeente. Il y avait un prédicateur qui était venu de l'étranger. Er was een prediker die uit het buitenland moest komen. Alors ce gars parlait avec un orgueil. Die man die sprak echt met kapsones. Also van ik heb de grootste gemeente van Nederland. Ik heb de grootste gemeente. Alles is gewoon goed op zijn plek. Donc en fait c'était peut-être pour mais en fait entre guillemets mes ridiculiser. Misschien was het om mij te intimideren. Zulke dingen, het laat me echt koud. Ik zag mensen in jouw gemeente, mensen die samen wonen, mensen die drugs dealen. Dat is niks. Vandaag dat ik jullie spreek. Ik ga ze naam niet noemen. Vandaag. Ik prie quand ils ont des moyens pour payer la salle. Toen zij in de zaal moesten betalen. Peut-être le dimanche on n'a pas 60 euros pour payer la salle, on va pas payer aujourd'hui.
zeiden van, oh, we hebben geen 60 euro om de zakat te betalen, dus we kunnen niet bidden vandaag. Oh, est-ce qu'on a de quoi pour payer les transports du passé? On n'a pas de transport, on ne peut pas venir. We hebben geen geld om het vervoer van de voorganger te betalen, dus hij kan niet komen. Vous priez chez vous à la maison. Dus blijf thuis bidden. Frères et sœurs. Broeders en zusters. Ga niet beven voor een ander. Amen. Amen. Ook al draagt diegene grote titels. Beef niet voor hem. Maar wees niet gecomplexeerd. Amen. Wees niet geïntimideerd met zo'n iemand. Je moet echt zijn. Iemand die echt de Heer heeft. Ik wil als deze man zijn. Oh, je me rappelle, hier, je crois, 15 ans, j'étais aux États-Unis. 15 jaar geleden was ik in de United States. Il y avait des gens qui parlaient des orateurs. Il y avait plusieurs. Er waren altijd mensen die daar spraken. Une maman est passée. Er was een vrouw naar voren gekomen. Een dame van 60 jaar misschien plus. Oh, combien je l'aime. Hoe ik van haar hield. Quand elle parlait, ze zijn goede dingen met zalving. Dat ik echt naar voren kwam om gewoon in haar buurt te zijn. Terwijl dat ze nog dingen had. Geliefde. Beef voor degene die de Heer vreest. Ga niet beven met iemand die zit te rood zwapperen met geld. Amen. Alleluia. Amen. 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 Geliefde. Qui à ta droite? Wie staat aan je rechterzijde? Quel est l'habit que tu portes? Wat voor kleding draag je? Le Seigneur veut se mettre dans le point de vue cet habit de honte que tu as. De Heer wil je andere kleding geven. Oh, j'ai pas de mari. Oh, ik heb geen man. J'ai pas de papier. Ik heb geen vergunning. J'ai pas de maison. Ik heb geen huis. J'ai pas de travail. Ik heb geen werk. Et j'ai pas de séjour. Ik heb geen vergunning. Et j'ai pas d'enfant. Ik heb geen kinderen. J'ai pas ceci ou cela. Ik heb dit niet, ik heb dat niet. Ce n'est pas l'essentiel. Het is niet het belangrijkste. Est-ce que c'est Dieu qui est à ta droite? Is de Heer aan jouw zijde, aan je rechterzijde? Celui qui a le dernier mot dans la vie de Hij heeft de laatste woord over jou. Bien-aimé. Geliefde. Bien-aimé. Geliefde. Weet u niet? Ce psaume que je vous ai dit ici, le psaume 121, verset 2. Psaume 121, vers 2. Ça dit beaucoup de choses. Het zegt veel. Ça dit beaucoup de choses. Het zegt veel. Ce psaume dit ceci, je le répète encore avant que nous puissions prier. Voordat we gaan bidden, wil ik het nog even herhalen. Vele mensen staan vroeg op te gaan werken, dit en dat. Ze komen terug. Sommigen zoeken titels. Sommigen zoeken relaties. J'ai vu quelqu'un entrer. Oh, ik zag iemand. Geef me even visitekaartje. En ik zet een stap terug naar achter. Ik zei, ik heb het niet nodig. Als ik het nodig heb, zal de Heer mij naar hem toe leiden. Amen. Amen. Ik kwam aan die Kinshasa en vader uit. Met twee titels. Écoutez-moi, je suis pasteur. Luister, ik ben voorganger. Al 30 jaar lang. Mais je suis pasteur. Maar ik ben een voorganger. C'était un silence de mort. Het was gewoon een stilte. Allez, mais ah bon? Zei oom. Ja, al ben je 30 jaar, zit ik daar. Je suis pasteur titulaire dans mon église. Ik ben een voorganger, al meer dan 20 jaar. Je ordonne de pasteur. Ik heb andere voorgangers gezalfd. Wij hebben een voorganger. Ze dachten dat ik kapsones had. Ik heb veel dingen gedaan. Maar tot dan ben ik gewoon als een herder gebleven in een gemeente. Sommige mensen die willen gewoon van die titels dragen. Ze rennen achter anderen, maar jij moet achter de Heer rennen. Hij gaat jou een plan overhandigen in je handen. Wie staat aan je rechterzijde? Welke kleding draag jij? De kleding van schaamte? Of de kleding van vuilheid? De Heer wil aan jouw rechterzijde staan. Om te steunen. Voor te guérir, om te genezen. Voor te fortifier, om te versterken. Voor te justifier, om te secourir, om te redden. Guérir, om jou te genezen.
te bevrijden. Pour apporter sa gloire dans ta vie. Om zijn glorie in je leven te brengen. Alleluia. Amen. Maintenant, nous devons nous allons prier. Laten we opstaan om te bidden. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Pour moi. Il sent good. Car il sent good. Il sent good. Car il sent good. Il sent good. Car parce que notre Dieu est très bon pour nous. Pour chacun de nous, il nous a donné cette parole. Nous allons élever nos mains vers Dieu en premier lieu pour lui dire merci. Lui dire merci. Lui qui désormais veut occuper la droite de notre vie. Il veut être notre bras droit. Et nous prenons voir. Disons-lui d'abord merci. Alléluia. Ouvre ta bouche, dis merci au Seigneur de tout ce qu'il t'a parlé. Merci notre Dieu. Seigneur, tu es bon. Qui est bon, Seigneur? Tu es bon pour moi, mon Dieu. Voilà pourquoi tu m'envoies ta parole en ce jour. Tu es bon pour cette église éternelle, Dieu. C'est pour cela, Jéhovah. Tu veux occuper la droite de chacun de nous. Tu veux être notre bras droit. Le puissant de Jacob. Éternel Dieu, merci. Nous allons prier ensemble maintenant. Nous élevons nos mains vers Dieu. Nous élevons nos mains vers le Seigneur. Et je vous demande de prier avec moi. Dites après moi, Seigneur éternel. Seigneur éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Toi le Dieu grand. Toi le Dieu grand. Miséricordieux. Miséricordieux. Compatissant. Compatissant. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Dieu qui m'aime tant. Dieu qui m'aime tant. Qui m'a donné Jésus. Il m'a donné Jésus comme preuve de l'amour envers moi. Comme preuve de l'amour envers moi. Seigneur. Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je me présente devant toi. Je me présente devant toi. Et me répands de tous mes péchés. Et je me répands de tous mes péchés. Des abyssales. Des abyssales. Que j'avais gardé sur moi. Que j'avais gardé sur moi. Mes habits, mes vêtements. Mes habits, mes vêtements. Ma vie que j'avais salie. Ma vie que j'avais salie. Par l'état des péchés. Par l'état des péchés. Par la désobéissance.
par l'incrédulité. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Non, je t'avais pardonné toute la loi. Au nom de Jésus-Christ. Mais voici devant toi maintenant, Jéhovah. Merci pour ton pardon. Merci pour ta réhabilitation. Toi, tu avais réhabilité Josué. Tu es venu me réhabiliter. Tu es venu me restaurer. Tu es venu me revêtir les habits de gloire. Seigneur, je renonce à Satan et à ses démons et à ses œuvres, à la malédiction familiale, malédiction de mon pays, de mon village, de ma ville, du milieu dans lequel j'ai vécu, où je vais aujourd'hui, tout ce qui est à ma droite, empêchant que tu me touches, empêchant que tu transformes ma vie, je renonce à cela par le nom de Jésus-Christ. Je renonce à la honte, la vie de honte que j'ai portée depuis la maison de mes parents, depuis ma jeunesse, la vie de honte que je porte dans mon secret à cause de manque d'éducation, à cause de manque de formation, à cause de manque quelconque, à cause d'un échec quelconque dans la vie. Aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, je me débarrasse de cet ami de honte. Prends la vie de gloire. Sois le terrain de gloire. Seigneur, viens à mon secours. Sois mon bras droit. Que ta droite me soutienne. Que ta droite me délivre. Que ta droite me sauve. Que ta droite me guérisse. Seigneur, que ta droite soutienne mes enfants dans leurs études, pendant les périodes des examens, dans leurs projets, dans leur avenir, dans leur mariage. Seigneur, que ta droite les soutienne pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu, Dieu de mon secours, que ta droite, Seigneur, me secours dans les combats de tous les jours. Que ta droite m'assiste et me justifie là où Seigneur le Satan m'acquise, là où le monde m'acquise, là où mon passé m'acquise. Que ta droite éternelle me justifie par le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi à ma droite, face de mes ennemis, mes marche-pieds, ô Dieu, qu'aujourd'hui mes ennemis soient des escaliers qui vont m'aider à monter plus haut à cause du soutien de ta droite, par le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur, et mets sur ma tête des rubans d'or, des rubans de distinction, des rubans d'élévation, des rubans de gloire, par le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as porté ma honte, tu as porté ma sanité, tu as porté ma souffrance, tu as porté mon humiliation, tu as porté mes échecs à la croix de Golgotha, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Seigneur, tu as porté mes échecs, tu as porté ma nudité, tu as porté ma nudité, tu as porté ma honte, tu as porté mes manquements. Enfin, Seigneur, que moi je sois vêtu des vêtements de gloire, des habits de gloire. Et tu es assis à la droite du Père, intercédant pour moi. Et je suis dans le Père. Toi, tu es à la droite du Père, intercédant pour moi, priant pour moi, me délivrant et me donnant ta gloire. Étends ta main, Seigneur, et touche-moi. Étends ta main, Seigneur, et visite-moi. Visite ma maison. Visite mon foyer. Visite ma famille. Étends ta main, Seigneur, que ta droite triomphante me prenne, Seigneur, dans tes bras. Me prenne, Seigneur, et me secours. Que ta droite éternelle m'enveloppe de ta puissance. Que ta droite éternelle m'enveloppe de ta gloire. Et que ta droite éternelle m'élève et me mette là où tu veux me voir. Au nom de Jésus-Christ.
Par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Venez devant, nous allons prier ensemble. Venez avancer, nous allons prier. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Et toi, ma droite maintenant. Et que la honte libère ma vie. Dès maintenant. Et que l'épanouissement, la joie et la paix et l'espérance soutiennent ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous allons chanter « Mon Dieu est bon ». Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Et occupe la droite de notre pasteur. Amen. Amen. Occupe la droite de notre papa, de maman Mireille. Alléluia. Occupe la droite de tous les bien-aimés qui sont par là, qui lui représentent. Afin qu'il soit ce que tu voudrais qu'il soit. Alléluia. Élevez vos mains, priez pour nous. Ô Seigneur, notre Dieu, Seigneur, enlève la vie des hontes, la vie d'humiliation, la vie d'accusation. Sois ma droite, sois mon bras droit, éternel Dieu, et que le nom de Jésus m'accompagne partout pour la gloire de ton nom. Sois la droite de mon épouse éternelle, la droite de tous les enfants que tu nous as donnés, tous les bien-aimés qui sont absents aujourd'hui partout le son. Tout cela qui souhaiterait être à nous-mêmes à la radio. Seigneur, sois la droite de celui qui cherchait un secours, qui cherchait quoi saisir, quoi s'accrocher, qui ne trouve pas. Éternel Dieu, que tu sois sa droite, qu'il va soutenir, qu'il va saisir, pour le faire sortir et le découvrir dans lequel il s'est trouvé. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de l'agneau. Notre Messie la tête, nous disons ensemble, oui le bonheur. Oui le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. M'accompagneront. M'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel sera le soutien de ma vie. L'Éternel sera le soutien de ma vie. Il est ma droite triomphante, triomphante, qui me secoue au temps de la détresse, qui me secoue au temps de la détresse, qui me justifie, qui me justifie et qui combat pour moi, et qui combat pour moi, dans les bons et les mauvais jours, dans les bons et les mauvais jours, au nom de Jésus-Christ, au nom du sang de Jésus. Amen. Amen. Amen.